Je me nomme Ben Ilboudo, je suis data scientist chez Nordstrom. J'ai eu le master 2 en économétrie, big data et statistique, et aussi le diplôme en ingénieur économiste. J'ai eu une alternance chez Nordstrom et juste après l'alternance, ils m'ont gardé en réalité. L'un de mes travaux les plus principaux, c'est plus la détection de fraude en assurance. En fait, j'utilise des méthodes de machine learning dans le but de pouvoir détecter en réalité la fraude au niveau de l'assurance. Voilà. Et deux fois, c'est plus sur les données qui sont structurées et des données non structurées. Quand je parle de données non structurées, ça fait allusion à des factures, à des documents, voilà, PDF également. Dans ma formation, j'ai appris des techniques en machine learning. En machine learning, si on parle de machine learning, c'est-à-dire des techniques d'intelligence artificielle qui me permettent de pouvoir prédire, détecter des fraudes, détecter des choses. Donc, c'est plus ces techniques que j'ai utilisées pour pouvoir utiliser en entreprise en réalité. J'ai voulu avoir en fait le niveau d'un ingénieur et en plus le niveau d'un master. Ça me différencie en réalité des candidats puisque j'ai deux diplômes et ça me différencie des autres candidats. Par exemple, au niveau du Master 2 Économétrie Big Data, bon, c'est plus des techniques qu'on nous apprend au niveau de l'économétrie, de la statistique et de Big Data. Quand on parle de Big Data, en réalité, on rentre plus en détail au niveau de la gestion des grandes bases de données. Et aussi, on a aussi vu des reviews au niveau de machine learning. Voilà. Maintenant, au niveau de l'ingénierie économique, c'est plus aussi également toujours les machine learning plus approfondies, mais on nous apprend également certaines techniques aussi au niveau d'être un économiste et tout ça. Au niveau de l'enseignement, il y en a des très bons enseignants et ils nous montrent en fait plusieurs techniques et nous pouvons même nous approcher de ces enseignants pour pouvoir apprendre certaines choses. Donc moi, par exemple, j'ai eu à faire un stage avec un enseignant qui est spécialiste en machine learning comme M. Badi Gattas. Et j'ai appris en fait auprès de lui plusieurs choses en data science. Donc on a des très bons enseignants et c'est ça qu'il faut faire nos particularités en réalité. L'âme sont trois mots, on peut dire entraide, travail et le dernier, convivialité.